Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on avait commencé à faire un peu cet enclos des éléphants. Non, on avait designé cette zone plutôt. Là, j'ai fait l'enclos des éléphants. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un peu à mettre des pierres là pour délimiter l'enclos. J'ai pas tout à fait terminé. J'ai également créé ce bâtiment là. Qui sera du coup avec dans un style un peu moderne, qui sera un truc de d'observation des éléphants ici, hein, pour venir voir les gens pourront venir voir les éléphants et en même temps ils verront ici cet enclos là aussi. Et ici on aura une zone de présentation. Hop, voilà. Donc là c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Les employés doivent faire la queue pour utiliser ce service. C'est quoi ça? Cabane de soigneurs. Ah, j'ai peut-être trop de soigneurs dans cette zone. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils y font d'ailleurs dans la cabane des soigneurs? Ah, ils préparent à bouffer. Ok. Donc là, on a pas mal de choses. Attends, je vais juste mettre pause vite fait. Là, c'est trop loin des cibles. Plusieurs éléments éducatifs sont placés trop loin des espèces cibles. Ah oui, non, mais ça c'est. Ok, ça c'est tous les trucs qui sont là-bas, que j'ai posé à l'arrache. Là d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là il n'y a pas encore, il va falloir que je mette les éléphants après, on verra. Pas d'électricité pour le service. Ah mince. Ah zut. Où est-ce que j'ai un truc d'électricité là? Ici, c'est lui là. Ah, et lui il va pas jusque là-bas. Mince, 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 mince. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est mettre un petit panneau solaire là-dessus. Avec un accès par derrière. Ça peut se tenter. Un petit accès par derrière là. Ça va m'obliger un peu à modifier tout ça. Oui, donc j'avais créé cette petite zone aussi là avec des petits stands et puis des toilettes. Ok, donc ça on verra plus tard. Le tracé inachevé pour ça. Ok, recherche. Alors ça on va juste activer ça tout de suite. Ok, bam. Ok, voilà. Donc l'électricité, est-ce que ça on pourrait pas juste le déplacer? Ça va obliger à le déplacer pas mal par ici, quoi. Ça, je le mets par là, là. Est-ce que ça suffirait? Ouais, il y a des lampes qui sont pas alimentées. Non. Écoutez, ou là-dessus. On pourrait carrément mettre le panneau solaire là-dessus, non? Sur les toilettes, là. Alors si là je prends un petit panneau solaire, voilà, que je le mets, alors attendez, comme ça là, on est bien là, hein, on va juste enlever ça. Alors non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire ça. Je voulais me mettre là dans ce groupe là, là. Sélectionner le groupe. Et là, je fais ça. Ah, je peux pas me sélectionner le groupe pour faire la joue. Voilà, oui, voilà, c'est ça que je voulais. C'est exactement ça que je voulais pour pouvoir m'aligner bien dessus. Ok, donc ça c'est pas possible. Donc en fait c'est mieux de ne pas m'aligner dessus. Ok. Comme ça je peux me mettre comme j'ai envie. Alors l'idée là serait de faire en sorte que juste le petit panneau dépasse. Et si je le mets derrière? Ah non mais attention là il va y avoir l'enclos des hippopotames donc il faut qu'on rogne le moins possible dessus.
Alors là. Faut quand même que ce soit réaliste, donc il faut que le panneau soit accessible. Voilà, comme ça, paf. Ça, on est bon. Donc, tac. Là, on va juste essayer de récupérer des éléments de construction qui ressemblent à ça. Donc, en chaume. Voilà, des trucs comme ça. Est-ce qu'on n'a pas des tout petits trucs qui pourraient aller là? Comme ça là. Voilà, juste qui masquerait le truc, les il y aurait plus petit, ça c'est trop long. Pardon. Non, ça ne va pas, c'est trop grand ces trucs. Grand, il faudrait des tout petits trucs, moi. Vraiment, il m'aurait fallu des tout petits trucs, moi, un peu plus grand que ça, quand même. Ah, ça, c'est immense. Ça, c'est pas mal, ça, non? Ça m'a l'air pas mal du tout. Si je fais X comme ça, ok. Ah, je peux pas le tourner. Oh zut. J'aurais voulu le tourner à l'envers carrément. Bon, et si ça, je prends ça. Ok. 4 fois 2, 2 fois 4. Ok. Ça, je parie que c'est pareil. Ouais, je peux pas le rotationner comme je veux. Ça, c'est mieux. Hop, c'est pas mal ça, non? Ça me semble plutôt pas mal. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, ça. Clac. Voilà. Et là, vraiment, je m'en mets comme ça. Il reste juste ces deux petits trucs là, mais c'est pas trop grave, ça donne. Ça fait genre ça tient le truc là, c'est pas mal. Ok, donc comme ça c'est pas mal. Donc maintenant on va aller dans les allées. On va sûrement supprimer ce pot là aussi. Ça là, hop. On va le virer pour le moment. On va le mettre par ici là. Voilà. J'ai pris autre chose avec là. Non. Je ne sais pas. Alors, les allées des employés. Hop. Clac, est-ce que je peux. Mince, je me trompe à chaque fois de bouton. Est-ce que je peux partir directement ici comme ça? Non. Ça fait un tout petit peu ardos comme escalier, non? C'est le genre d'escalier que j'aimerais pas avoir monté dessus. Alors attendez, on va juste rajouter des rambardes. Quand même, parce que là ça me semble assez dangereux quand même. Hein. Bon, ça ira très bien. Hein. Hop, des rambardes ici. Là par contre du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit sol en chaume comme ça.
Hein? Ou comme ça. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Faudra qu'on décore ça, hein. C'est moche comme tout. Cet escalier est vilain comme tout. On est d'accord. Hein. Bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Ok, c'est quoi ça? Les employés doivent faire la queue pour utiliser ce service. Ah oui, ok, c'est pas grave. Là, normalement, est-ce que j'avais rajouté une cabane de soigneurs? Je suis pas sûr. Donc, ça veut dire que les soigneurs, ils ont quand même besoin d'une cabane de soigneurs. Oui, ça paraît logique en fait. Donc là, on a un gros truc. Alors là, on va juste saluer eux comme ça. Ça va nous donner un peu de points. Voilà. Si ça veut bien. Voilà. Ok, lecture. Je commence à avoir beaucoup de visiteurs. 3000, c'est assez gros, je trouve. C'est assez pas mal. Ah, j'avais pas fait d'exalé de 10 mètres là. Dommage. Animal stressé. J'ai moins d'animaux stressés maintenant. C'est pas mal. C'est une bonne chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va récupérer ce truc-là. Là. On va faire. Contrôle D. C'était ça que je voulais faire. Bon, je suis en train de pas du tout faire ce que j'avais envie de faire à l'origine, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Hop là, voilà. Là ensuite, on prend une allée là. Qu'on va mettre comme ça. Et qu'on va faire monter ici. Ah, je me suis encore trompé de bouton. Voilà, comme ça, sauf que on va enlever la rambarde là. Voilà. C'est pas oufissime. C'est même pas ouf du tout, j'ai envie de dire. Donc en fait, non. En fait, non. C'est pas terrible, même là, c'est pas ouf quoi. Ça le fait, hein, ça le fait. Ça fait le taf. Mais c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Il vaudrait mieux que ce soit droit. Alors là, attendez, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va aligner sur la grille de ce truc-là et on va mettre un truc carré, voilà. Comme ça, au moins, on est bien. Ça l'a pas mis? Attendez. Ah, c'est déjà mieux. Alors attendez, hop. Je vais me mettre un peu plus par là. C'est déjà mieux. C'est pas ouf, mais c'est déjà mieux. Si là, ça j'y déplace, je peux. Ah non. Je ne peux plus. Alors, comment on va faire là? On va mettre pause déjà. Pour éviter d'avoir un peu trop de bordel. Donc ça, les 46, c'est normal. Ok. Pardon. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que là, ce que je voulais, moi, alors là, je vais avoir un enclos d'éléphants, eux, ils vont s'occuper de ça, d'un enclos là, les hippopotames, et sûrement un enclos par là. L'enclos des hippopotames, il va peut-être faire comme ça. Et là, on aura un autre enclos ici. Là, je pense que je vais faire venir ce chemin au bord de l'eau pour qu'ils puissent observer l'enclos qui sera là. Sinon, ils pourront pas observer ces enclos là, les gens. À part via le bateau, ce qui est dommage quand même. Donc là, hop, on va faire un truc comme ça.
Même si les gens verront le bateau, tout ça, c'est pas trop gênant. Pourquoi j'ai du de la fumée là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette fumée ici? C'est ce truc-là, là. Pourquoi ça fait de la fumée, ça? Pourquoi est-ce que ça fait de la fumée? Brume imposante, importante. On enlève ça, on n'en veut pas. C'est pareil, on n'en veut pas. Hop, c'est où, là? Il y en a un, aussi. Là. Là. Hop, voilà, on quitte. Là, on va le laisser comme ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ce truc-là. Hop, le truc de mécanicien, on n'en a pas besoin là, non plus. Donc, on va reprendre les services du personnel et on va prendre. Qu'est-ce qu'on a là, on a dit? Ça, c'est un cabinet de vétérinaire. Ouais. Une salle de pause. Ah ouais, elles sont grandes, les salles du personnel. Je vais peut-être avoir besoin d'un truc comme ça, hein, en fait. Ouais. Je vais peut-être dupliquer celui-ci. Hein. Je mettrais bien une salle du personnel en plus. On va le modifier ça. Cabane des soigneurs. Grande. Alors attendez, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, c'est une grande cabane des soigneurs. Là, on va enlever ce truc-là. On va le mettre comme il faut tout de suite. Donc c'est une enseigne. Hop. Des soigneurs. Alors, elles sont les enseignes comme ça. Tac, tac, tac. C'est ça, cabane des soigneurs. Hop, aligné sur la surface. Paf, comme ça, c'est pas mal. Ok, et ici. Donc ici, j'en ai une où ils font la queue. Faudra peut-être que j'en remplace une, on verra. Que j'en mette une grande. Je ne sais pas. Pour le moment, on va laisser comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on pourra ajouter pour le moment? On va laisser comme ça, on verra plus tard. Là, je masquerai peut-être ces trucs un peu mieux, là, quand même. On verra. Hop, là, je supprime ça. Hop, on quitte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer nos deux éléphants qu'on ne peut pas sélectionner ensemble, ni avec contrôle, ni avec mage. C'est pénible. Transférer. Hop, ici. Voilà. Et lui, transférer ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est très bien. On ira. Oh, un animal mort, mince. Alors, appelez le vétérinaire. Appelez le vétérinaire. On a deux animaux morts. Ok. On achètera des hippopotames plus tard. Enfin, bientôt même, je pense. Hop, on va déjà s'occuper des éléphants qui ne devraient pas tarder à arriver. On va aussi aller voir du côté des bonobos parce que j'avais un bug en fait, ils pouvaient pas monter sur leur truc là. Combat. Ah mince, les lions. Zut, alors les lions, les lions, les lions. Dès qu'il y en a un adulte, c'est pareil que les. Ah oui, il faudra que je vende tout ce qui est là-dedans aussi. Ça peut aller vite. Oh, j'en ai pas beaucoup. Hop. Change rapide. Boum. Voilà. Hop. Alors, les lions. Les buffles, il faudra que je fasse gaffe aussi. Parce que eux aussi, ils se battent, je crois. Les girafes. Ah, elles ont fait un petit. Cool. Oh. Avec une médaille d'or. Ça, c'est bien. Ça c'est très bien, ils ont beaucoup d'attrait. Elle va être trop vieille, enfin trop vieux.
Mais du coup, on a un autre mâle là, donc c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est que elle, on va la relâcher dans la nature. Parce que envoyée au centre, on pourra pas la vendre, elle est vieille. On va la relâcher dans la nature. Pour 120, c'est pas mal. Hop. Tac. On a toujours un mâle. Du coup, peut-être qu'on va racheter un autre mâle parce que, au final, on aura deux femelles. Est-ce qu'on rachète un autre mâle? En girafe, ça va me coûter une blinde. J'ai pas spécialement envie. On a dit qu'on s'en foutait d'avoir des médailles, tout ça. Ouais. Cela ferait peut-être que je les enlève à un moment, un peu, des gnous. Alors les hippotrags, tiens, il y a lui qu'on va envoyer au centre d'échange, quand même, relâcher la nature, tiens. Parce que les hippotrags, ça rapporte rien. Hop. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas d'autres mâles adultes? Si. Lui aussi. Hop. Clac. Très bien. Ok. Alors les lions. Les lions. Oh, on a deux mâles qui sont devenus adultes. Dont un qui est vieux, qui n'est plus mâle alpha du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces deux-là, on va les envoyer au centre d'échange. Et on verra ce qu'on en fait plus tard. Enfin plus tard, quand ils y seront. Quand ils y seront. Ok. Ah ouais, les lumières. C'est un truc à faire que je gère là. On n'a pas du tout de lumière ici. Ce qui serait bien, c'est que j'ajoute aussi, on verra plus tard aussi, je pense, mais des distributeurs comme ça. Parce que je pense que juste les stands de boissons, ça suffit pas vraiment. De partout. Ok, donc les animaux morts, ça va faire. Plusieurs éléments éducatifs sont placés trop loin des cibles. Oui, je sais. Je sais. Ah, recherche vétérinaire terminée. Les bonobos. Hop, maladie active. Bon, ça on verra, on est déjà plein pot là-dessus. Alors les bonobos. Les bonobos, on enlève ça. Je voulais voir aussi qu'est-ce que je pouvais ajouter dans leur enclos. Ouais, donc je disais il y avait un bug, là je sais pas pourquoi, à chaque fois quand je revenais dans cet enclos, ils arrivaient plus à monter nulle part. Et puis après, dès que je faisais bouger un petit truc, c'était bon. C'était un peu bizarre comme bug. Donc optimisation. Faut que je rajoute des optimisations alimentaires et ludiques. Alors, du coup, pour les bonobos, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ah oui, déjà on va pouvoir mettre un régime alimentaire mieux. Alors, le bloc de glace, je crois que je l'avais mis. On va mettre une bobine tambour. Un bloc de fruits glacés. Et un poteau à fourrage. Alors, service. Non, c'est dans habitat. La optimisation alimentaire. Ça, par exemple, déjà. Par ici, tiens. Hop. Ensuite, un bloc de fruits glacés. On va le mettre. Enfin, j'ajoute des pierres là, je pense, pour faire plus joli. On va le mettre par là, le bloc de fruits glacés. Hop. Boîte à fourrage, voilà, c'est énorme ça. C'est un peu grand ce truc. Alors, loisirs, hop, on va mettre ça. Touc. Par ici. Hop là. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je ne sais plus. Ils en sont où là? Optimisation 73%, ça va. Ça va, c'est bien. Ça me convient. Je pourrais augmenter les ludiques. Je pourrais augmenter les trucs ludiques. Alors, qu'est-ce que je peux augmenter? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Un arroseur automatique? Ouais, ça pourrait être pas mal. Ah, la saleté, toujours le même, je suppose. Ouais,
Ouais, comment on fait déjà? Saleté, propreté. Entretien. Soigneur. Bah il y est là, il est en train d'y faire. Ok, donc il va s'en occuper. Ok. Donc les bonobos, on disait. Un truc ludique, mais j'ai déjà un carton, j'ai déjà un bloc de glace. Ouais, ils aiment bien s'animer. Animal malade découvert, vétérinaire appelé. Ok, appelez le vétérinaire, comme ça ira plus vite. Hop. Animal mort, ils ont toujours pas récupéré. Ah merde! Ah, j'avais mis ça, mais ça va pas. Ça a un impact négatif sur les visiteurs. Ah, mais ouais, c'est au-dessus. Ah oui, donc là dans mon bâtiment j'avais mis un truc pour créer de l'électricité. Bah, du coup on va l'enlever. On va l'enlever. Attendez. Hop. On va mettre pause. Je vais juste regarder l'électricité. Si j'enlève ce truc, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais. Zut. Zut, zut, zut. Parce que là, si je mets un panneau solaire, ça, même ça va créer du. Attendez, hop, si ça, je le mets comme ça. Imaginons, je mets ça comme ça. Ah, ça se trouve, ça ira ça. Je mets mon éolienne ici. Hop, donc je mets X. Si je le mets là, ça. Est-ce que ça doit... Est-ce que ça marche? Ça a l'air bon, j'ai l'impression. La zone là, elle a l'air assez basse. Enfin, assez haute, je veux dire, pour pas que ça leur touche la tête. Attention. Ouais, parfait. Nickel, est-ce que ça suffit par contre? J'ai pas regardé. Ah, il y a ça qui manque là, il y a une lumière, on s'en verra plus tard. Peut-être que là on fera une autre zone avec une éolienne qui permettrait d'alimenter celle-ci. On verra. Animal malade. Oh là là! Oh, mais ça se protège. Ça se propage à mort ça? Quelle horreur! Alors attendez, pause. La listériose. Bam, recherche terminée. Ouais, bah là, on va... toi, tu vas faire des recherches là-dessus, s'il te plaît. Vite. Vite, vite, vite. Parce que là, mes vétos, ils vont avoir du boulot. Ils vont avoir du boulot. Ah ouais, il y a des trucs qu'il faudrait que j'ajoute aussi. C'est des distributeurs de billets un peu partout. Mais ça, c'en est plein. J'en ai quelques-uns, je crois, vers l'entrée. Mais il faudrait que j'en rajoute. Ce serait pas mal d'en rajouter. Il y a des petits détails qu'il va falloir que je fasse, genre j'ai créé des petites barrières là comme ça, je trouve ça joli tout simplement avec un panneau et des trucs en bois. Je vais essayer d'en mettre un peu partout là où on veut pas que les visiteurs ils aillent. Ah, les éléphants ils sont arrivés, ça y est. Alors là il va falloir créer leur habitat. Eh ben déjà on est bien. Ah oui, je leur avais construit du coup ça, un bâtiment que j'avais récupéré, et celui-là je l'ai fait moi. Donc eux ils sont pas mal hein, déjà. Alors on va voir le terrain. Ah, ils ont besoin d'eau. Une zone aquatique empruntable. Ah ben on va leur créer une petite zone d'eau. Est-ce qu'on a des traitements de l'eau qui sont par là? Ouais, voilà. Ok, donc là on va créer une zone d'eau par là. L'habitat à cause de quoi? À cause de la configuration de la zone de travail. Ah, j'ai pas configuré la zone de travail là. Pause. Zo. Personnel. Éléphant. Soigneur. Mécanicien. Vendeur. Vétérinaire. Bah, j'en ai bien un qui est sur la zone éléphant. Zone de travail. Éléphant. Modifier la zone de travail.
Oui, alors là on va mettre tout ça. Ah mince. Tac, 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 tac. Ça c'est dans éléphant. Tout ça va être dans éléphant aussi. Voilà. Voilà. Ça on va le mettre dans une autre zone de travail du coup. Savane centre, je crois que c'est celle-ci. Ouais, on va ajouter ça. Et on va ajouter ces deux trucs. Voilà. Ok, donc là ça devrait être bon là, non, le... Lui. Non, c'est pas bon. Wow, il y en a plein d'animaux, il y en a plein de malades. Ne peut pas atteindre la zone. La cause des configurations des zones de travail. Comment ça? Comment ça? Zone de travail. Éléphant. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai bien un vétérinaire. Il est où lui? Il est là-dedans, en salle de pause. J'ai bien un truc de vétérinaire là. What's the problem? What is the problem? J'ai pas compris là. C'est bien relié là, oui, c'est relié. Ah bah c'est bon, c'est parti. J'ai plus l'alerte. Ça doit être bon alors. Ça doit être bon. Alors les éléphants. Du coup. Terrain, on a dit de l'eau. On va essayer de leur creuser un truc d'eau par ici là. Faudrait qu'on puisse les voir. Que ce soit visible pour eux, mais sachant. Moi je vais mettre par là au milieu. Donc, terrain. Hop, là on va creuser un peu. Hop là. Juste comme ça, et on va faire 200 mètres carrés, ça fait beaucoup 200 mètres carrés. Ça suffit peut-être, je ne sais pas. m². Ok, donc ça ne suffit pas. Un peu plus grand. Encore. Encore un peu plus. Pour l'agrandir par ici. Allez, valide. Est-ce que ça leur suffit maintenant? 326 mètres carrés, parfait. Alors, de l'herbe longue, ils n'en veulent pas. Ils veulent de la terre. Oh! Wow! Ah ouais, quand ils chient, ils rigolent pas les éléphants. Alors, de la terre. De la terre, on met de la terre autour de l'eau surtout. Hop. Alors, on va mettre un passant un peu plus gros. Hein. Voilà, beaucoup de terre, moins d'herbe, plus de terre. Hop. Voilà, là il y a trop de terre, il n'y a pas assez de roche, un peu de roche. De la roche lisse. Ça fait bizarre la roche par terre. Hein. Plus d'herbes courtes aussi. Hop, donc là c'est bon. Là c'est parfait. Environnement. Il y a des arbres qui ne vont pas. Comment on les voit déjà? Ah mince, ceux-là ils sont dans l'enclos. Ça tombe dans l'enclos. Bon bah vire-moi ça. Ça c'est où? Ça c'est là-bas. Ok. Bon, ça tombe dans l'enclos. Et ça aussi.
Hop. Voilà. Oh là, le bien-être des animaux attire des manifestants. 63 alertes. Oh là là. Ils sont tous malades en fait là, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Propreté. Oh. Plein soigneur, plein mécanicien aussi. Service en panne. Comment ça? Ah, mais il est en train de le réparer, très bien. Je crois qu'on aura besoin de mécanicien. Source d'alimentation inaccessible. Comment ça? Alors. Déplacer. Ah. Voilà, ça doit être bon là, normalement. Non? Ok. Voilà, c'est le bazar là. Il y en a qui sont malades là. C'est le bazar. Ça, j'en ai pas besoin. Ah, la saleté. Ok, donc ça c'est bon. La source d'alimentation est accessible maintenant. Par contre là. On a énormément d'alertes. Donc la propreté, c'est pas ça du tout. Et là, les animaux. Stériles. Stériles. Oh merde. Ah, et parce qu'ils sont vieux. On va les arracher dans la nature, peut-être, s'ils sont vieux. Alors, eux, on va leur mettre de la bonne qualité aussi. Les gnous. Qualité 3. Les hippotrags. Qualité 3 aussi. Les springbok. Qualité 3. Ça c'est important. Oh, je sais pas. On va attendre un peu parce que je pense qu'ils vont se faire soigner de toute façon. J'ai pas grand chose à faire. Ok. Là c'est ici. C'est un truc que je voulais faire aussi. Oh, 72 ça monte. Ok, génial. Les bonobos. Les bonobos, les bonobos. Les bonobos. Ah non, il faut cliquer sur l'enclos. Voilà. Et là. C'est pas là? C'était où? Ah voilà. Les animaux. Et là, je peux mettre qualité 3. Très bien. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? Springbrook, 39 alertes. Comment ça, 39 alertes? L'animal est malade, 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 malade. Blablabla, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, parce qu'ils sont malades, ok, j'ai compris qu'il y en avait des malades, mais. Gestante. Il y en a beaucoup des très vieux, hein. Ouais, il y en a. Ouais, pas tant que ça, il y en a quelques-uns, mais. En fait, c'est juste parce qu'il y en a des malades. Faut attendre que le veto les soigne maintenant, quoi. Ce que je vais faire, vu le nombre d'animaux qu'on a dans cet enclos, quand même, je vais peut-être engager un nouveau vétérinaire. Parce que j'en ai qu'un seul, je crois, pour toute cette zone-là. Ouais. Savane centre, savane entrée. Ouais. Ouais. Ok, donc on va engager un vétérinaire ici pour cette zone-là. Si je le sélectionne, lui, c'est où que je définis une zone? C'est pas ici. Ah, attendez, hop, j'ai plus l'habitude de le faire par là. Lui, il va aller dans sa bonne entrée. Voilà. Il va s'occuper des animaux malades ici. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Les bonobos. Les bonobos, on va regarder comment ils vont. Où c'est que j'en ai? Où c'est que j'en ai? Là, ils dorment. Il dort, alors tac, tac, on a dit que là on était bon, là on est bon, je peux monter un peu ces trucs-là. Oui, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure avant de voir les. Voilà. Alors, là je peux mettre en plus
Un arroseur automatique et une boule à poignée. Je sais plus si j'en avais mis une. Si je crois que j'en ai une. Habitat, hop, un arroseur automatique qu'on va mettre par là. Voilà. Ok. Et puis ça, on va en mettre un par là aussi, tu vois. Hop. Voilà. Comme ça, il s'amuse, hein, on rajoute des trucs, c'est bien. Ok. Les varirous. J'ai pas du tout fait de recherche sur eux encore. Niveau tout ça, il devait être bien, je crois. Peut-être qu'on pourra rajouter quelques plants dans cette zone qu'on avait agrandie. Ouais, j'avais agrandi cette zone et du coup, j'avais pas mis des plantes. Ça, on verra plus tard. Et bon, bah, on va les laisser comme ça pour le moment. Là, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Les éléphants, du coup. Les éléphants. Alors leur terrain il est bon, l'environnement, on peut rajouter des plantes. Prairie désert. Donc nature. Filtre, alors on va prendre les plantes. Biome. Bah, prairie et désert. Et continent. Afrique. De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché. Encore? Ouais, vas-y, continuez sur la maladie là. Et ben, on va l'augmenter le prix du billet encore une fois. 45. 45 dollars et pour les enfants, on va mettre 25. On va laisser 25, c'est pas mal. Hop. Clac. Donc la nature, là on cherchait ça. Les éléphants, ces trucs-là, ça va bien dans l'Afrique. Hein. On va décocher ça. Hop. Hop. Le plus grand, on va essayer de prendre. Ah! Oui, c'est le plus grand. Hop. Bam. Voilà. Ensuite, un baobab, je crois que j'en ai déjà un dedans. C'est celui-là qui interagit avec. Un baobab. Vas-y, on va mettre un baobab par là. Oh, ça va empêcher de voir les trucs quand même. Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme plante? Non, ça c'est pas terrible. Ça c'est marrant. Hop. Bon, ils ont l'air contents en tout cas les éléphants. Ils aiment pas bien avoir beaucoup de plantes, hein. Faut qu'il y ait 10% maximum, c'est pas énorme. De l'herbe à éléphant. Tiens, ça c'est rigolo. On va y mettre là. Hop. Voilà. Clac. Voilà, c'est pas mal comme ça. Là, on est bien là, je pense. Hop, donc les plantes c'est bon, les optimisations, bah va falloir faire les recherches. Optimisation alimentaire, il faut que je donne de quoi leur. Faut que je leur donne de quoi. Oula, par contre là je suis en chute libre là. Graphique. Éducation des visiteurs. Finance. Aïe, graphique. Ça semble assez stable quand même. Bénéfices totaux, on monte quand même. Non, on doit monter, je pense. Ah, ça y est, ça s'est redescendu, donc je suppose qu'ils sont en train de traiter les animaux. Ok. Oui, donc il faudrait que je crée un truc pour leur donner à manger à mes éléphants. Ah bah, il y a ça. Pertinence. Donc ça c'est bon. Donc pour le moment ils ont à bouffer.
On est bien. On attendra les optimisations plus tard. Combat dangereux, dangereux. Ah mince. Alors. Ça veut dire que je dois avoir plusieurs malipotrag. Ouais. Oui, centre d'échange. Hop là. Comme ça, ils se battront plus, déjà. J'en ai pas d'autres, non, c'est bon. Ah oui, les deux lions là. Alors, les deux lions. On va mettre pause. Les deux lions. Alors lui, il est assez vieux. Il est adulte. Et lui, il est très jeune. Donc il a une meilleure note. Alors juste, je vais aller voir sur le marché les lions. Combien ils se vendent? Les hippopotames, on verra plus tard. Les lions. Lions d'Afrique. Hop, filtre. 700. Pour des très jeunes, 700. Bon, on va pour 700. Ouais, 800, il y en a même. Ouais, on peut taper dans le 800. Le vieux, j'arriverai pas à le revendre. Il n'y en a pas des vieux. Il n'y en a pas des vieux. Ouais. Donc le vieux là qui a 12 ans, lui, on va le relâcher dans la nature pour 167, c'est pas mal. C'est mieux que rien, on va dire. Et lui, on va l'échanger 616. Non, on va mettre 800. On va tenter 800. Hop, échange. Clac. Je pensais que ce serait plus les éléphants. Les lions, je veux dire. Ok, donc là le combat c'est fini. Alors les bonobos, on a dit que c'était bon. Eux, ils sont bons depuis un moment. Les éléphants, c'est pas mal. Les lions, ça fait un moment que je peux les regarder. Mais ils étaient bien, les lions. Ouais, optimisation pour augmenter ça, mais bon. C'est déjà tout dans le vert, donc ça va. Ok, donc on est pas mal. On est pas mal. Donc du coup là ça fait 47 minutes de vidéo. Donc on va peut-être s'arrêter là. Là il faudra que je masque cet escalier dégueu là vraiment. Que je trouve une solution. Faudra que je trouve une solution. Là il faudra que je finisse de mettre des pierres tout le tour. Genre, j'ai vraiment envie de mettre des pierres tout le tour là. Sinon mes éléphants ils sont pas mal du coup. Ils ont un bon petit enclos. C'est vrai que les éléphants, quand on va dans des zoos, ils ont toujours des trucs, ils ont toujours des trucs comme ça, avec très peu de plantes. Oula, faudra que je mette un caillou, ça fait un peu bizarre là. On dirait un peu qu'ils volent mon rocher là. Bon, ah oui, et que je gère la lumière aussi, que je rajoute des lampadaires un peu partout, ce serait pas mal. Parce que là, c'est pas trop géré. Électricité, on en est où? Ah oh mince. Ah, ça les touche quand même. J'y crois pas. J'y crois pas. Je crois qu'on va le faire remonter un peu. On va le remonter un peu. Ah mais c'est peut-être justement parce qu'il est défaillant qu'il fait un impact négatif. Je sais pas. En tout cas, peut-être que je vais le surélever un petit peu. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça, je peux le... Ah. Si là, je le mets vachement plus haut. Normalement, il est là. Si je le mets genre là. Comme ça. Que là je fais quitter, je prends mes allées là, je les supprime parce que là ça y va là.
Ah, c'est pas possible ça. Ah, qu'est-ce que c'est pénible ces trucs. Faire comme ça. Là après il faut faire comme ça. Là après il faut faire comme ça. Ah voilà. Comme ça. Reste par là. Non, c'est trop pentu. C'est trop pentu. Et si là, du coup, je crois que j'ai supprimé un truc de trop, non? Hop. Donc là, on essaye de faire comme ça. Hop. Là, on vient plutôt par ici. Et là, après, on vient par là. Voilà. C'est un peu bizarre, mais ça passe. Là, il suffit maintenant de déplacer ça. Hop. Par là, là. Voilà. Celui-là, de le déplacer un petit peu par ici. Hop, et on est bon. Voilà. Voilà, on est bon. Là, je pourrais peut-être faire un petit truc comme ça. Hop. Là là, et j'arrive pas comme d'habitude à m'arrêter. Merde. Je suis trop pris dans mon truc. Et j'aime tellement construire comme ça. Hop. Voilà, faudra que je fasse des trucs un peu comme ça là. Pour masquer ça là. Pour faire plus joli. Ok. Voilà, donc là maintenant normalement mon éolienne là, elle devrait plus trop m'embêter là. Elle devrait plus m'embêter là, mon éolienne. Ouais, ça devrait être bon là. Ok, j'ai des recherches terminées. Donc ça, hop, on va le passer sur autre chose du coup. Je sais pas lequel c'était. Aucune idée. Les mécaniciens. On va dire que c'est lui. Non, c'était pas lui déjà. C'était pas lui non plus. C'était plutôt lui. Bah maintenant on s'en fout en fait. On va faire les trucs là. Maintenant on s'en fout de ça. Et les recherches vétérinaires. Allez très bien, continue de faire des recherches là-dessus. Hein, les maladies, on les a. Ah, il reste encore pas mal quand même. Hein, des maladies. Ce serait bien qu'on fasse ces recherches là après. Hein. Voilà, il y a beaucoup de rangs hein, à chaque fois. Ok. Ok. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a un truc cassé là. Il y a un truc cassé. Remplacé. Voilà. Ok. Ah, là, il y a un truc cassé aussi. Hop. Très bien. Bon. Allez. Combat dangereux encore. Ah, les lions. Encore? Encore? Attendez, je vérifie juste. On va arriver à s'arrêter, vous inquiétez pas. Oh, les escargots, faut que je les vende. Hop. Ah ouais, les lions, ils ont tous grandi. Ok, bon, ben, je vais m'en occuper. Allez, donc sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!